Nous avons eu des sections dans presque tous les pays francophones de l'ex-AWEP et de l'ex-AF. Nous avons même été plus loin. Nous avons créé une section à Djibouti. Et le président actuel de Djibouti était notre secrétaire général. Au Sénégal, malgré la très forte opposition de feu de Lamingay et de Senghor, le RDA s'est fait l'honneur d'y créer au Sénégal une section territoriale. Elle a mené la lutte pour l'ensemble de notre RDA. Sa lutte ne se limitait pas seulement au seul Sénégal, mais à l'ensemble des pays que défendait le RDA. Le Sénégal nous a fourni des cadres. Dans la plupart de nos pays, je les préciserai tout à l'heure, nous avions donc le Sénégal, la Guinée, le Mali actuel, hier Soudan français, le Niger, le Burkina Faso. Ça va mieux. Le Bénin, le Gabon. Je veux dire, le Bénin, Est-Dahomey, Congo-Brazzaville, le Tchad, la République centrafricaine, où nous avions une section jusqu'à l'indépendance, et le Tchad. La lutte a été dure. Ailleurs, comme au Sénégal, qui bénéficiait de plus de liberté, parce que c'est le pays le plus ancien, 300 ans de vie commune avec les Français. Ils étaient même Français avant les Corses. Il y a eu la répression. Je suis une forme discrète, mais pénible aussi. Les fonctionnaires ont été révoqués. On a coupé des crédits à nos commerçants Sénégalais, RDA. Mais les Sénégalais ont tenu. Jusqu'à l'indépendance. C'est après l'indépendance que je leur ai demandé de se saborder et de rejoindre les rangs pour aider Senghor à bâtir le Sénégal indépendant. Nous avons eu de nos militants, des braves militants, dans les gouvernements de Senghor, Jelembaye, Beng. Et j'en étais très digne de notre mouvement, parce que très apprécié au niveau du Sénégal. Nous n'avons pas créé de section au niveau de la Mauritanie. Bien qu'une délégation, deux délégations soient venues nous demander de les aider à créer la section mauritanienne. Nous avons dit, à partir du moment où le Dada, le leader de leur pays, pratiquait la même politique de lutte émancipatrice, il fallait se joindre à Abou Dada pour pratiquer avec eux, avec lui, cette politique que nous menions nous-mêmes au niveau des autres territoires. Le Niger, pendant la traversée du désert, a souffert. Nous n'avions plus de représentants au Niger, plus de représentants au Gabon. D'abord, notre leader a été expulsé du pays, interné
en République centrafricaine, j'ai nommé Léon Ba, feu Léon Ba. C'est après notre arrivée au gouvernement français que j'ai pu le faire revenir dans son pays. Où, grâce au triomphe de RDA en 1956, il a pu faire accéder son pays à l'indépendance en même temps que nous autres. Nous avons perdu notre siège, je vous l'ai dit, au Tchad. On nous a réduit d'une unité notre représentation au Mali. On n'a même pas autorisé à nos deux représentants qui, quelques mois plus tard, devraient enlever les sièges de la Guinée, de se présenter. Pendant longtemps, nous n'avions même pas un seul représentant à l'Assemblée territoriale de Guinée. Au départ, un de mes anciens collègues de ma promotion à l'École normale d'instituteurs de Gorée, Mabassano, nous avait représenté. Malheureusement, dès les difficultés, paix à son âme, mon frère Mabassano s'est retiré de la lutte. S'était retiré de la lutte. Alors il y avait un vide qu'heureusement avait comblé deux braves parmi les plus braves militants RDA, Madera Keïta du Mali et Réotra de la Guinée. Le pouvoir colonial ne s'est pas embarrassé. Il les a mutés purement et simplement au Dahomey, aujourd'hui Bénin. Et c'est grâce à eux, Madera Keïta et Réotra, que nous avons pu créer la section territoriale du RDA du Bénin. Bénin. Le drame du Tchad, vous le savez. La répression, je vous l'ai dit hier, a été brutale, plus brutale dans l'ex-AF que dans l'ex-AOF. Nous avons eu du mal à recruter un responsable au Tchad. C'est Gabriel Lisette, alors administrateur des colonies au Tchad, qui a accepté d'assumer les responsabilités de la direction de notre section territoriale du Tchad avec sa femme, une Française. Une Française plus africaine que des Africaines. Le vice-guinéen. Comment le combler? Madera et Réotra partis. Nous avons recruté sur place des jeunes Guinéens vivant en Côte d'Ivoire et sous la direction d'un brave jeune Sénégalais, Diagne. Et avec l'appui d'un chef de canton de la frontière guinéenne pour installer une tête de pont en Guinée. En cas de difficulté extrême, nous avions la possibilité de les replier sur la Côte d'Ivoire. Mais le grand pays restait vide. La Guinée n'avait pas de carte du parti. Nous avons envoyé des cartes de Côte d'Ivoire avec l'éléphant et sur impression Guinée, PDG Guinée. C'est pour cela que l'éléphant de Côte d'Ivoire est devenu le Sili de la Guinée. Il est parti d'ici. Alors, un beau jour, on m'a appris qu'il y avait un jeune syndicaliste qui voulait relever le flambeau, rallumer le flambeau de la lutte RDA. C'était Sékou Touré. Je me suis déplacé
Je l'ai rencontré chez sa grand-tante. Elle me l'a recommandé. Je l'ai fait venir ici à Abidjan. Avec malheureusement... Je dis malheureusement par qui... Son propre cousin, le petit Touré, époux de ma propre nièce. Et voilà comment faire revivre, après le départ de Madeira et de Réotra, notre section territoriale de Guinée. Pas un seul membre du RDA à l'Assemblée territoriale de Guinée. La lutte en Guinée, ce n'était pas une lutte contre la colonisation, c'était une lutte contre le RDA. Ministre, nous avions à présenter Sékou Touré dans la région de Béla parce qu'il y a une vacance. Je me suis rendu en compagnie du gouverneur général Corny Gentil. Je ne demandais pas l'appui du gouvernement, du pouvoir locaux. Je demandais simplement la neutralité. Elle m'avait été promise. Je me suis rendu dans la nuit avec le gouverneur général Corny Gentil dans les campements administratifs du Monimba. Mais nous n'avons pas logé sous le même toit. Le lendemain, il m'avait dit que tout était arrangé, il a convoqué les administrateurs, il a donné des instructions, la neutralité sera absolument respectée. Le lendemain, à Mans, j'apprenais le contraire. Et je me suis tourné vers lui pour lui demander que s'est-il passé dans la nuit. J'ai donné des instructions, mais ils ne m'ont pas obéi. Ils n'obéissent qu'à la Rio Dino. La fraude a écarté ses coups. Nous n'avions personne en Guinée. 1955 va être un tournant important. Jusqu'en 1955, il y avait beaucoup de tricheries dans les élections. L'administration coloniale trichait en défaveur du PDG et favorisait les candidats de l'administration. En 1955, le tournant qui va avoir lieu, c'est que le RDA, à l'échelle africaine, va décider de travailler davantage avec l'appareil colonial, d'abord pour baisser la répression qui pesait sur ses militants. Oufouette Boigny va rentrer dans le gouvernement en France et il va convoquer une réunion du comité directeur du RDA. Et il choisit Conakry pour la réunion du comité directeur du RDA. Et le choix de Conakry n'était pas fortuit. Le choix de Conakry, il avait besoin d'avoir... C'était en quelle année? C'était en 55. Mmh. Et la réunion va se tenir à Kamayenne, là où se trouve l'hôtel Kamayenne actuellement. Mmh. Et il avait besoin de faire confirmer par le comité directeur le désapparentement du RDA d'avec les communistes. Parce que jusqu'en 50, le RDA va évoluer avec les communistes. Mais à partir de cette date, le RDA va se désaffilier, va s'affilier avec le parti de François Mitterrand, l'UDSR. Et en grande partie, c'était aussi pour réduire la répression. Parce que dans toutes les colonies, en Guinée, en Côte d'Ivoire, il y avait une forte répression de l'administration coloniale sur les militants du RDA. Alors, ce désapparentant, il n'avait pas obtenu l'aval du comité directeur. C'est à Conakry qu'il va obtenir cet aval du comité directeur. Malheureusement, toutes les sections territoriales ne voteront pas en faveur. Par exemple, la section territoriale du Cameroun avec l'UPC n'ira pas dans la voie. Donc, parce que les maquis avaient déjà commencé, il y avait une guerre qui avait commencé au Cameroun. La section territoriale du Niger aussi ne va pas aller dans la même direction que lui. Mais par contre, la section guinéenne va aller dans la direction parce que la section guinéenne avait aussi besoin
réellement de calme, de calmer un peu la situation, de faire en sorte que les tricheries dont il était l'objet jusque maintenant s'arrêtent. Il nous a fallu attendre jusqu'à 1956 pour obtenir sur l'ensemble des territoires français, africains, français, la neutralité de l'administration. Le résultat, là, nous enlevions deux sièges en Guinée, deux sièges au Mali, deux sièges au Niger. Entre-temps, le Burkina Faso a été reconstitué, mais les élus sont venus au RDA. Nous avions nos amis du Bénin. Magan n'était pas avec nous au départ, il était avec les autres. S'il était quelque peu embarrassé dans ses déclarations, c'est en raison de cela. Mais il s'est ressaisi. Il a milité avec le cœur avec nous au sein de l'entente et pendant la lutte pour l'indépendance. Nous avons perdu le siège de Chikaya Félix au bénéfice de l'abbé Fulbert Youlou, devenu lui aussi membre actif du RDA. Lisette a repris sa place au Tchad. Voilà le RDA triomphant. Il fallait compléter cela par les élections territoriales. Là, c'était le raz-de-marée. Nous avons balayé tous les anciens dirigeants des partis nés des fraudes électorales. Nous avons repris la majorité. Et c'est cette majorité qui a conduit à l'indépendance après le départ de Sékou Touré en 1958, le Mali, le Niger, le Burkina Faso, le Bénin, le Gabon, le Tchad.